Bonne année! Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale pour vous parler des projets en 2018, les projets de la chaîne et ce qui va se passer sur la chaîne. Mais avant ça, je voulais revenir sur l'année 2017 où il s'est passé pas mal de choses. Allez, c'est parti! Oh, je vais bouleverser mes chaussures. Oh, c'est à faire. Pire qu'un cyclocross. Ah ! Tout d'abord, en mars, on est parti au Mont d'Or pour le premier voyage de l'année. Ensuite, pareil, en mars, c'était la première vidéo vélo avec tous les potes. Il y avait Arthur, Juliette, Pierre, Simon et Tanguy, que je remercie d'ailleurs. On a pu faire une belle vidéo qui était un peu une sorte de court-métrage vidéo sans parler. Ensuite, en avril, on s'est testé à l'Urbex. Bon, c'était pas super puisqu'on n'a pas réussi à faire l'exploration en entier. Mais bon, au moins on a pu profiter, on a pu tester le truc, mais je pense pas qu'on va réitérer. En juin ensuite, on est parti à Belle-Île. C'était peut-être l'un des plus beaux voyages et l'un des plus bels endroits qu'on a visité en France pour le moment. J'espère qu'il y en aura d'autres, des encore plus beaux et dans le monde cette fois-ci. Ensuite, quitte à être en Bretagne, on s'est dit de faire un petit road trip jusque dans le nord du Finistère pour profiter un peu des beautés du paysage de la Bretagne. Du coup, on est parti 4 jours en road trip à 4. On a pu longer la côte jusqu'à la presqu'île de Crozon et on a pu vraiment trouver ce qui n'allait pas dans les road trips pour pouvoir s'améliorer pour les prochains et pour cet été, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Ensuite, en septembre, il y avait les 24 heures VTT qu'on a pu faire avec l'équipe Cycle Contro, où il y avait encore Arthur Poirier, Renaud, Alexandre, Corentin et Valentin. On a pu voir aussi Jean-Charles et Juliette, par exemple. On s'est vraiment bien amusé. C'était une petite vidéo en musique de l'événement qui est vraiment très sympa. Une première aussi, 24 heures en VTT. C'était assez intense. Peut-être que l'année prochaine, on le refera. Ensuite, en octobre, est sortie la vidéo de Porto. C'était la première fois où j'ai pris l'avion, d'ailleurs. C'était une très belle expérience. Je vous ai montré Porto, Aveiro, et après, par la suite, j'ai pu vous montrer Lisbonne. Après novembre, est sortie une petite vidéo review de l'année 2017 pour récapituler un peu tout en images et en musique. Tous nos voyages, tous nos délires, nos aventures et nos découvertes. Et enfin, en décembre, j'ai voulu tester ma nouvelle GoPro, la GoPro Hero 5. Je suis parti sur les 2 jours du plan d'eau de Neuvy-Saint-Sépulcre. Donc c'était une course cyclocross. Et vous m'avez gâté parce qu'il y a eu 90 vues en l'espace de 2 jours sur la chaîne qui débute. C'était quand même assez énorme. Donc rien que pour ça, je vous en remercie. Bon alors, pour 2018, qu'est-ce qui va se passer? Alors, côté technique, je vais améliorer petit à petit la qualité de la vidéo avec de meilleures images, de la stabilisation et peut-être même quelques vidéos en 4K. Alors, ce sera aussi l'année du développement de la chaîne et ça passera par la création d'un blog de voyage où on vous racontera tous nos récits de voyage. Ça passera aussi par la création d'une page Facebook qui vous informera de la sortie des nouvelles vidéos, de nouveaux posts Instagram, d'un nouvel article sur le blog. Et c'est là aussi où je vous demanderai votre avis par sondage sur un sujet dont on parlera en vidéo avec les Coupings. 2018, ça sera aussi l'année de l'organisation et de la régularité. Bah ouais, les vidéos sortiront le vendredi à 19h et je vais essayer d'en proposer une toutes les 2 voire 3 semaines. Et pour le contenu alors? Alors pour le contenu, on va repartir en voyage et ce dès le début de l'année, on va repartir au Mont d'Or et on dormira dans un endroit incroyable et insolite. Et comme je vous l'ai dit aussi, on repartira en road trip. Cette fois-ci, ce sera un plus long road trip de 1 à 2 semaines, on sait pas trop encore. Et surtout, le plus important, c'est qu'on vous montrera cette aventure sous un nouveau format, le vlog. Alors oui, on voulait changer un peu le format classique, vidéo plus musique, pour ajouter quelques explications pour que ce soit un peu plus attractif pour vous et pour qu'il y ait un contenu un peu plus intéressant. Bon, il faudra qu'on s'entraîne un peu parce que je vous assure que parler devant une caméra, c'est pas chose facile. Pendant ce road trip, on vous fera aussi quelques tutos de comment on s'organise, comment on fait pour dormir, manger ou boire, et se laver aussi.
mais aussi comment on fait pour emmener le strict minimum et ce, en dépensant le moins possible. Bon, ça peut paraître bête, mais il y a certaines choses auxquelles on ne pense pas forcément. Il y aura aussi quelques séries autour de la bicyclette. C'est pour ça que je vous présente cette vidéo en tenue de véloman. D'abord, il y aura une série de vlogs où on vous embarquera avec Jean-Charles et Quentin pour battre notre record de distance parcourue à vélo. Il y aura aussi une série qui ressemblera un peu à l'émission Top Gear. Dans cette série, on inventera un circuit court où on invitera des personnes non cyclistes, cyclistes de bon ou très bon niveau et peut-être même des pros. Et le but sera de battre le record du tour. Et ça, dans la bonne humeur et la French rigolade. Mais bon, on vous expliquera tout en détail quand ça commencera vers le printemps. Alors si vous êtes chaud pour suivre l'évolution de la chaîne, vous pouvez manifester votre soutien avec un pouce en l'air, un petit clic sur s'abonner et vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la page Facebook et sur mon compte Strava et tous les liens sont dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Allez, ciao!